Alors, ça tombe bien les gars, parce que moi, il faut savoir que j'ai absolument aucun souvenir de la soirée d'hier et que je me suis... Eh oh les gars, vous êtes... Oh putain, oh merci. Ok, d'accord. Salut Marseille. Ça ne m'étonne pas vous, cette chaleur Marseille, bravo. Ah oui, c'est ça. Pardon, salut Paris. Je commence à comprendre la soirée d'hier, on était à Paris, et à Paris, forcément, la vie nocturne, elle est longue et profonde. Ah bah oui, forcément. Ah bah à Paris, forcément, il se passe des choses que même nous, on oublie, après, c'est grave. Ah bah là, je commence à comprendre, ok. Prise de conscience, c'est l'heure, je suis allé moucher, je fais des mains dans mes poches, je vous connais ma soirée, c'est des cartes bleues, des petits coups de tête, pour remonter le temps, putain, merde, ma tête. J'ai la même un petit planche et sur le rouge. J'ai un peu sûr dans son lit, ça me resto dans le 13e, ça va. Je me souviens de rien. Je me souviens petit bar dans le 14e. Ouais, cool. Ouais. Bon, tranquille, petit bar, tu vois. Et après, c'est jeunesse de l'UMP dans le 18e. Ouais. Oh. Bizarre. Le 3 encore là-bas. Et rencontre avec Nadine Morano et t'as fini juste en grosse soirée. C'est là, derrière, si tu veux. Bon, d'accord, attends, c'est. Hein? En même temps, c'est normal, je. Bon, j'en profite, on est tous les trois sur les toits, il n'y a personne qui entend. Vous savez quoi, mecs, Nadine Morano, elle m'excite à mort. C'est vrai, je me souviens, tu l'appelais beaucoup, c'est vrai que t'as l'air de m'aimer, tu lui parles en arabe, j'ai pas compris, tu disais Nadine. Ça, c'est mon côté très ouvert. C'est mon côté très ouvert, tu vois ce que je veux. Bon, alors ça s'est passé où? C'était où? Ah, c'était où? Ah, d'accord. Ah, bah oui, mais il y a du monde. Tu vas aller voir. Ah, bah oui, non. C'est une bonne idée. Oui, 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 bah écoute, moi, franchement, j'ai envie de savoir ce qui s'est passé, avec qui j'ai passé là. Attends, regarde, écoute. Il faut croire que Nadine s'est plutôt qui. C'est ça, c'est Nadine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que t'aimes le sport collectif, mon pote. Je sais pas, mais en tout cas, quand j'ai écrit le morceau, il y avait une jeune fille, là, il y en a plusieurs, ça fait un peu en même temps, pourquoi pas, du libertinage. Attends, écoute. En grande forme. Ah, mais c'est comme ça, les filles à Paris, regarde, écoute, Guise, regarde les filles. Bon, moi, je trouve que le concert est un petit peu long. Et alors? Et je vais m'éclipser pendant un petit moment, quand même. J'en suis absolument désolé. Je reviens très vite. Oui, j'arrive. Oh, Christophe, tu fais ça tous les soirs. C'est plus marrant. C'est fini, maintenant. Christophe! Oh, sérieux. Oh. C'est un désastre. C'est dégueulasse. On avait parlé les détails. Daniel. Du pain au chocolat, du Nutella, il y a plein de trucs. Daniel, toi qui restes un peu plus tard que nous. Au début, c'était cool. Mais quand j'ai vu les animaux, il a pris sa boîte à outils. Oh, c'est vrai. Non. Ok. Bon, ça suffit. Non, Christophe, tu viens. Sors d'ici. C'est bon, Christophe. Ah, les gars, c'est bon. Entre Nadine et les Parisiennes, j'ai choisi. Okay, très bien, j'ai choisi les Parisiennes, je choisis Paris la nuit. Okay. D'ailleurs, vous savez quoi, après, ouais, après Bercy, je propose une énorme after à Dîner. C'est pas mal, ça vous plaît ça. Une espèce de... On appelle ça une triouse. Ok, on a été voir, oui. Viens, la salle des seniors, je provoque une assemblée, je dérange une chute de vodka, caille, salé. Bah là, il n'y a pas grave. Il y a des quoi dans le sourire, on me cache quelque chose que je peux bien faire de pire. Avec l'alcool, tu deviens grave. Je sais pas, rappelez-moi, je me souviens pas les gars. Bah, t'étais grave. Ah ouais, t'as fait des pancartes. Ah ouais, souviens-toi. Raconte-moi. Eh oh, t'es monté sur le chapiteau. Accroché au cordage, t'as failli la plage comme un mec. Eh oh, tu voulais pas redescendre. Tout arrive en retard, c'est le jeu, c'est bon. Désolé pour hier soir, d'avoir fait une envers. La terre.